Deuxième sortie, journal Mitan Journée pour semaine ça et pour tout mois octobre là. Bonsoir tout le monde et bienvenue. On va démarrer tout de suite avec prévisionniste non Wilner Polidor pour toute nouvelle sous condition temps. Bonsoir Wilner. Merci Pasco, branché télévision nationale d'Haïti dans le ça pour prévision météorologique là on a commencé à aller sous région. Nous toujours gagnons Mazia qui humide et instable sous région malgré un tropical là décalé vers partie occidentale région Caraïbes là mais Haïti en bas en Mazia qui humide et instable. Si un jour on a gagné un temps qui ensoleillé sous plusieurs départements mais commencé gagner nuage dans ciel là Jean Noël sous image satellite là et nuage ça va développer en fin d'après-midi en soirée pour bailler la pluie sur plusieurs départements et départements qui concernent c'est le nord-ouest, le nord, le nord-est qui concerné par activité la pluie, Artibonite et le centre, département de l'ouest aussi, et à la rigueur la Grand'Anse, même si c'est des averses faibles à modérer, mais n'a pas tenu avec activité la pluie sur zone Sahara en soirée et au cours de nuit là et peut-être en fin d'après-midi. Pour capital là avec zone qui environne le capital là aussi en bas instabilité par rapport avec Mazda là n'a pas tant avec un temps qui plus ou moins ensoleillé au cours de journée et puis commencer gain développement nuage dans ciel là en fin d'après-midi et en soirée et nuage ça il y a prend extension pour capable avoir quelques activités d'appli en début de soirée et au cours de nuit là sous capital là avec zone qui environne le c'est toujours quartier qui vers non seulement le sud, le sud-est et le sud-ouest qui concerné par activité la bio sous capital avec zone qui a vu en nous avons température aujourd'hui à capoter jusqu'à 34 degrés Celsius, ça fait un peu chaud sous pays et puis à la descente c'est 22 degrés Celsius. Par rapport avec sol là qui commence à saturer sous plusieurs départements, UHM de concert avec DPC, secrétariat permanent Cap Géris avec des asthmes, des mounes qui étaient dans la zone qui a inondé, surtout Jean-Noël sous 4 de saturation de sol ça, Artibonite le centre et à la rigueur vers l'ouest et vers aussi l'extrême sud-ouest, priorité véatif par rapport avec activité la pluie que nous prévoit et priorité vigilant et puis mettre conseil de sécurité en pratique si toutefois tu as gagné la pluie avec ruissellement sous zone Sayo. Pour la mer est non seulement agitée sous côte nord et côte sud pays d'Haïti, pour golfe de la Gonâve, pas un trop souci, c'est 2 à 4 pieds, mais faut Captain Yo avec pêcheur fait en pile attention parce que la mer l'a agité à faute surtout au large et pour page astronomique là sur la couche jeudi à 6h36 et la levé de matin à 6h40. Merci pour fidélité avec attention, on a croisé demain pour l'autre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Merci Wilner et bon après-midi. Dans l'actualité, l'agence prévoit dans le décret loi 22 août 1995 sous organisation appareil justice. La année judiciaire a commencé premier lundi mois octobre. La président de la République, la Jovenel Moïse, premier ministre Jean-Henri Seyan, et président des branches parlement, sénateur Joseph Lambert et député Garibodo participaient dans la cérémonie. C'est occasion pour autorité concernée au fait bilan travail qui réalisé dans appareil justice la pendant l'année qui saute passé. Et puis garder qui ça qui était pour fête. Reportage Sabine Jean-Étienne à Wilson Idoré. Juge, commissaire gouvernement, greffier, huissier, avocat réunis dans cour cassation pour connaître bilan travail personnel appareil justice là, perspective à recommandation yo dans cadre nouvelle année judiciaire 2018-2019 là. Nomination juge yo, condition travail magistrat yo, nécessité pour juge yo travail en toute sécurité, tenant mitan discours président Cour cassation, M. Jules Cantave. Je conviens avec vous qu'il est foncièrement et cruellement injuste de traiter de manière si inique ceux à qui est dévolu la noble mission d'appliquer les lois. En effet, les conditions de travail ne sont pas du tout faciles. La privation, la carence et l'inconfort, l'insécurité ambiante, l'incertitude et le manque d'encadrement font désormais partie du vocabulaire quotidien des magistrats, particulièrement les justes. Ces chevaliers sans peur et sans reproche, livrés à eux-mêmes dans un pays où le grand banditisme, la criminalité, la séquestration tendent malheureusement à devenir une constante.
On en parle tant de la nécessité d'assurer le maximum de sécurité aux juges, appelés tous à traiter des dossiers sensibles. Nomination jugio, pas qu'à fait n'importe qui gens, question volette a doué suspendre plus vite que possible. Aucun centre pénitentiaire sous territoire pas doué recevoir prisonnier sans yon pas gagner dossier. C'est quelques points forts dans la déclaration président républicain Jovenel Moïse qui était quoi? Haïti besoin justice pour consolider base démocratique yo. Chef l'État cité en série démarches, administration là à entreprendre pour restaurer autorité l'État à travers un plus bon système justice. Un secteur qui lié étroitement avec le développement économique pays. Au début du mois de septembre 2018, mon attention a été attirée sur le fait que, dans une correspondance de ce conseil, le retard accusé dans la nomination des juges engendre souvent des conséquences néfastes sur le fonctionnement du système judiciaire. Vous conviendrez avec moi qu'un contrôle minutieux des dossiers s'avère indispensable puisqu'une erreur glissée dans la nomination est fatale. Elle décrédibilise l'État aux yeux des citoyens et des citoyennes. Les critères et conditions de nomination doivent être rigoureusement respectés. En tant que garant de la bonne marche des institutions, je crois utile de reprendre le libellé de la linéa 2 de l'article 75 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire pour rafraîchir la mémoire de plus d'un. En effet, cet article dispose qu'aucun juge n'est admis à prendre les vacances en fin d'année s'il n'a rendu ses décisions sur toutes les affaires en délibéré. Faute par lui de le faire, il sera réputé démissionnaire. Par la stricte application de ce décret, que de démissions on aurait recensées et enregistrées dans le système judiciaire ? De cas qui seraient entendus et traités. Que d'améliorations aurait-on observé dans le respect des droits des justiciables? Mais l'heure n'est pas appropriée à la démission. Il y a trop de labeur à abattre, trop de chantiers à travailler, trop de problèmes à résoudre, trop de défis à relever, trop d'enjeux à considérer. Parmi ces défis, l'insécurité foncière demeure l'un des principaux. Elle prend aujourd'hui la forme d'une épidémie majeure, d'une pathologie sans remède. Des individus sans foi ni scrupule s'approprient avec trop de facilité et sans aucune inquiétude les biens immobiliers de paisibles citoyens qui les avait acquis au prix de 1000 sacrifices. Dans le cas d'audience criminelle qui était faite, dans 18 juridictions, première instance PIA, 5 cours d'appel, 1 cours cassation, il y a pour pipiti 517 cas qui ont été tendus, 642 personnes fixées sous sort, 229 autres personnes joignent libération, environ 413 personnes condamnées, 39 autres dépôts de pièces étaient prononcés, il y a 59 cas qui étaient renvoyés, et puis 78 l'autre monde obligé de retourner en prison pour l'année judiciaire 2017-2018 qui se passe là. Merci Sabine et Wilson. Toujours même dossier ça, bâtonnier l'autre avocat Port-au-Prince, M. Stanley Gaston, dressé un tableau somme sous état système justice haïtien. M. Stanley Gaston plaidé pour personnel justice la gain plus accès à formation. Suivant extrait. La justice est à la fois une valeur, un système de régulation et de règlement des litiges. En tant que valeur, la justice vise à moraliser la vie publique, à créer un environnement propice à la paix, à la recherche du bonheur et au développement économique et social. Les droits et libertés sont bafoués parce que la justice n'a jamais vu son rôle de protecteur. La détention préventive prolongée n'est pas l'apanage d'Haïti. Des efforts sont consentis afin de juger les gens dans un délai raisonnable. En 2016, la Cour suprême du Canada
ayant fait le constat que Barrett Richard Jordan a passé 9 mois en détention préventive, a estimé que tout retard excessif pour le jugement d'un individu incarcéré représente un déni de justice pour les inculpés, les victimes, leurs familles et la population dans son ensemble. Dans l'arrêt de la Cour suprême, le délai de jugement a été fixé à 18 mois, assorti de la mise en liberté en cas de non-jugement. En Haïti, depuis 20 ans, la question de détention préventive se pose avec acuité. Quel est le plan d'action des autorités judiciaires face à cette problématique? L'insécurité juridique qui caractérise le pays et la corruption sont corollaires font fuir les investisseurs. La propriété privée n'est pas garantie. Quelle perspective offre la justice pour promouvoir l'investissement, la croissance économique et la protection de la propriété privée? Direction générale impôt DGI fait chanter lundi 1er octobre là. Yon mes remerciement dans l'occasion fête Sainte-Thérèse. Mais ça marque tout lancement année fiscale là. Stéphanie Charles et Micho Joseph a présenté un reportage. Cérémonie ça réalisée en présence directeur général DGIA, ministre économie et finance, employé DGIO et plusieurs cadres d'administration publique là. Dans les circonstances là, perdu Carmel Edouard fait connaître payer impôt c'est rôle avec devoir citoyen yo pour l'état qu'a servi à clip pour créer travail pendant le souhaité directeur DGIA succès dans toute sa entreprendre en dedans institution. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'origine de l'impôt remonte à l'Antiquité pour bon nombre d'historiens. Au moment où l'homme était devenu sédentaire, on avait le troc. L'impôt est devenu le symbole de l'État moderne. Il est aussi la preuve de l'existence de l'État. Ministre économie et finance là invité chaque employé au faire deux journées ça une journée réflexion pour un à quel niveau il a déployé GFOYO pour année fiscale 2018-2019 là capable de réussite. Ronald Descamps renouvelé engagement tout cadre dans ministère économie et finance là pour accompagner DGI dans mission. Je voudrais en ce jour réitérer l'engagement du ministère de l'économie et des finances. L'engagement de tous les cadres du ministère pour accompagner la DGI. La DGI est l'un des bras armés du ministère, l'un des bras à partir duquel l'État puisse mener sa mission, entreprendre sa mission. Nous comprenons qu'il y a lieu d'agir non seulement sur les recettes, mais aussi d'agir aussi sur les dépenses. Les dépenses qui seront envisagées, surtout dans le cadre du budget qui va être établi, seront des dépenses à effet multiplicateur, des dépenses durables pour que notre économie soit une économie complètement dynamisée, porteuse de croissance et de richesse, afin que nous puissions sortir de l'ornière de ce développement dans lequel nous nous sommes trouvés. Directeur général DGI Amira Demorlan remercie tout citoyen qui paye taxio. Li fait connait li joine support tout employé yo depuis l'elle intégré institution. Amira Demorlan promet nouvelle année fiscale ça porter en pile fou. Nous devons une fière chandelle à ces millions de concitoyens qui ont acquitté dans la sérénité leurs impôts et taxes, ainsi qu'à nos centaines d'agents de la DGI qui ont déployé des efforts immenses, des trésors d'énergie pour que l'administration fiscale soit à même de remplir son contrat d'objectif, de relever le grand défi posé par la barre des prévisions budgétaires sans cesse relevées.
Date 1er octobre là marqué commencement année fiscale tout neuf là dans pays d'Haïti. Directeur général Direction générale impôt Amirade Morlan rete quoi pour année ça prévision à respecter pour porter en plus dans développement pays. Président Commission économie et finance Sénat République l'a dit, c'est obligation pour budget à reconduire 1er octobre là. C'est pendant qu'un gouvernement déposé un budget rectificatif qui a facilité le répondre à déclaration politique générale qui était faite devant Parlement. Sénateur Jerry Gobelizier a encouragé tous les citoyens pour payer taxes. Suivons extrait dans le micro, Fednir Confident avec Moïse Oulbridge. Chaque fois nous posons problème et quantité de copie dans le budget. Mais si vous ne continuez pas à payer les taxes, de plus en plus, le budget est diminué, il a diminué. Parce que vous n'avez pas inventé l'argent pour mettre dans le budget. Vous faites le budget en fonction de ce qu'il y a gagné en termes de prévision de recettes. Mais voilà où l'on paye presque tout le monde. C'est comme si son désobéissance civile, côté tout le monde dit, nous même ne pas payer les taxes. Et nous, à chaque fois que vous parlez des taxes en pays à tout, les gens soit qui opposé au gouvernement dit non, pas possible pour qu'un taxe. Or, un pays n'a pas fonctionné sans impôt, sans taxe. C'est que je vous dis, il faut que les Haïtiens chita pour comment nous entendre nous pour nous créer une situation de stabilité au niveau de la société qui peut avoir une incidence sur ça m'a carré en conscience collective qui pour prendre pour nous à agir sur le secteur économique la vie tant que production nationale là. Tout autant que nous pas agir sur production nationale là en façon pour nous exporter depuis nous de l'importation n'a toujours gain un niveau d'inflation qui est extrêmement élevé ça cap gain des incidences sur population en général. Député circonscription Grand Guavla, Jean-Marcel Luméran fait qu'on est à la 1er octobre là, budget qui était voté dernièrement dans le Parlement reconduit. Cependant, il faut que le gouvernement rapidement rectifie le budget ça. Député Luméran dit que le gouvernement doit utiliser tout moyen pour joindre l'argent qui a perdu dans le contribuable et puis forcer les gens qui pas payer taxes pour payer pour financer le budget national là. Nous invitons sur un extrait. On peut reconduire les budgets rectificatifs qui dernièrement ont été votés au Parlement. Donc, obligation à gouvernement pour lui rapidement corriger Kayel et présenter par devant le Parlement, donc en particulier la Chambre des députés. Donc, on est le budget doit être voté en tout premier lieu à la Chambre des députés. Un nouveau budget qui prend en considération ensemble de priorités et objectifs qui définis par un nouveau gouvernement. Parce que leur hérité un budget, on vient en situation pour exécuter exactement l'ensemble des dépenses qui ont été déjà programmées. Étant donné que nous sommes en début d'exercice, gagner ça ou les dépenses incompressibles, qui sont des dépenses concernant des salaires, des dépenses d'ordre de fonctionnement courant, ça vient faire que ça n'a pas dérangé. Maintenant, pour le programme d'investissement, il est normal pour que le gouvernement de M. Seyan soit capable d'agir rapide et présenter un budget devant l'Assemblée pour répondre à la préoccupation que lui-même a été gagné dans la déclaration de politique générale. Institut du bien-être social et de recherche lancé lundi 1er octobre là, yon atelier travail 3 jours dans Port-au-Prince sous problématique adoption à protection timoun qui dans situation vulnérable. Directrice générale IBESR la Ariel Gentil Drouin expliqué, atelier formation ça organisé dans l'idée pour passer main dans question adoption en Haïti. Nous invitons sur un reportage avec ses trois paquis et puis Dieudonné Lidier. Directrice générale Institut bien-être social à recherche là, Ariel Gentil-Vildouin, profite occasion pour porter explication sur convention internationale sur adoption Timoun qui crée dans date 29 août 2013 là. C'est l'année après, Institut bien-être social à recherche, dans tête collée avec différents acteurs qui impliqués sous droit à protection Timoun, lancé un atelier travail sur problématique adoption et puis porter une réforme nécessaire sous convention ça, d'après directrice générale IBESLAN, Ariel Gentil-Vildouin. Nous-mêmes, tout acteur capable d'agir dans protection, hein, sous tout acteur capable d'agir dans l'adoption internationale là, pour nous mettre en pratique. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, on a pris un bon atelier qu'a fait un séminaire côté où on a pris plusieurs acteurs qui ont intervenu dans l'adoption, ils sont présents. Parce que pas oublier que nous travaillons dans une logique de co-responsabilité. On a pris que acteurs judiciaires, acteurs administratifs, partenaires, responsables de maisons d'enfants, responsables de OAA, ils sont tous présents aujourd'hui pour nous faire une sorte d'évaluation. Une évaluation pour nous connaître après 4 ans comment procédure a fonctionné en Haïti,
qui grand réalisation que nous gagnons. Donc ça veut dire que nous pourrons faire un bilan complet. Directrice générale Iberslan a annoncé institution d'ab diriger prend mesure pour mettre contrôle dans pratique adoption qui était qu'on habitué fait de façon informelle dans pays. Nous avons 40 ans de pratique que nous avons changé en Haïti. 40 ans de dérive. Pour qui ça me dit dérive? Parce que lorsque tu as une adoption privée indépendante, ou après que l'autorité compétente ne pas connaître comment le dossier est monté. Donc, Yannick Dias allait directement dans l'orphelinat, il entend, et avec un propriétaire de maison d'enfants, avec des avocats, il entend, et puis après que l'adoption, le dossier a été monté. Elle vient tout monter, tout ficeler dans le bien-être social, sans qu'on ait un regard sur l'adoptabilité de Timouna. Est-ce que vraiment son Timoun est adoptable? Est-ce que vraiment l'autorité compétente l'assure que ça a été fait comme ça? Et après qu'en époque, de façon récurrente, nous avons recevoir des mères de famille qui viennent dans le bien-être social réclamer petit yo. Donc, il était important pour réformer sa fête. Atelier ça, qui a duré 3 jours, après fin mercredi 3 octobre, a permis de concerner faire évaluation sur question adoption de Timoun qui est dans une situation vulnérable et puis faire quelques recommandations sur convention. Direction générale autorité aéroportée nationale AAN entreprend une série de travail pour embellir et puis mettre plus discipline dans rentrée aéroport international tout seul ouverture. Travail ça yo c'est pour bail institution ça qui se porte rentrée pays à une autre image. Nous invitons à suivre un reportage avec Anne Marguerite Auguste et puis Dieudonné Lydier. Panneau signalisation, panneau bienvenue. C'est le premier indice qui annonce au rivé dans le barrage à l'aéroport international Toussaint Louverture. Direction générale institution prend décision sa yo dans souci pour améliorer service à l'aéroport à offrir passagers yo ak moun k'ap fréquenter espace sa. Directeur planification AANN Yves Mozart Augustin expliqué dans temps passé yo aéroport te kon desservi 7 à 800 000 passagers chaque année. Kounye la, chiffre la passé à plus passé 1 500 000 passagers. Devant situation ça, yo obligé prendre décision pour renforcer capacité d'accueil là, moderniser institution rive faire joindre un standard international. Capable remarquer panneau électronique là et qui souhaitait bienvenue et au revoir à tous les usagers aéroport là. Ou capable de remarquer tout de un feu signalisation qui mettait en place. Ou capable de remarquer tout voie accès qui menait à terminal là, qui agrandit, qui élargit. Ou capable de remarquer tout un auvent qui fait pour protéger les passagers les gens la pluie mauvais temps. Ou capable de remarquer tout en dans parking là, bon grande organisation entrée sortie et place de parking en dans et parking international aéroport tout c'est l'ouverture. Donc tout ça rentre dans cadre pour améliorer service AN après rendre à usagers, passagers, aéroport international, tout c'est l'ouverture. Dans le cadre de l'administration AAN n'en prend pour refaire image institution, directeur planification AAN Yves Mozart Augustin annoncé un travail qui fait pour élargir route qui menait à rentrer à l'aéroport dans l'idée pour diminuer blocus qui était qu'on gagne dans l'espace ça. Yves Mozart Augustin rappelait difficulté blocus qui était qu'on empêchait passagers arriver à temps pour remplir conditions voyage. Nous comprenons le blocus qui existe devant l'aéroport là. Donc, faut nous agir. Même de manière temporaire, nous voulons porter des solutions qui sont capables de kembe avant que nous gagnions de plus grands travaux, de plus grande envergure pour qu'ils solutionnent totalement les problèmes. Nous avons recevoir toutes sortes de personnalités, toutes sortes de citoyens haïtiens ou étrangers. Et c'est le premier porte d'entrée pays. Donc, effectivement, nous voulons voir l'autre image pour dire que AAN, là, avec le directeur général Yves Mehu, nous travaillons pour nous améliorer la situation des passagers, usagers aéroport là chaque jour. Bibis. Réalisation série travail ça yo c'est pour permettre passagers et population à gagner une autre image de l'aéroport international Toussaint Louverture qui se porte entre pays à dirigeant mandé usagers et monde qui fréquenter espace ça pour protéger travail yo. Lundi 1er octobre la marqué journée internationale grandette yo
Pour occasion, mairie Port-au-Prince organise une journée porte l'ouvri dans l'asile communal Delma 2 pour permettre élèves qui sortent dans plusieurs écoles dans la commune Port-au-Prince visiter et puis partager quelques moments avec Grand Mounio. Reportage Falan Delphin avec Moïse Ulbridge. C'est dans l'ambiance ça, journée a été déroulée dans l'asile communal là, dans l'occasion célébration journée internationale Moun 3e Ajou. C'était occasion pour élèves de visiter l'espace là qui abritait environ 94 résidents 3e âge. Chanter, danse, théâtre, musique, c'est quelques activités qui étaient déroulées dans la cour asile communal là qui gagne un espace vert tout neuf pour permettre grand monde de détendre. Pour magistrat adjoint Port-au-Prince, Ketina Belabre, activité ça a permis à grand monde de transmettre ça qu'on est by Sila qui puis jeune. Nous avons décidé de faire une porte ouverte avec jeunes. Ça veut dire que nous prenons tout un groupe l'école dans la commune, dans la zone plus précisément, et nous voyons une invitation, nous disons voyons une délégation d'élèves qui voulaient venir et pour y faire faire changer journée, en font bagarre différent, font bagarre pour grand monde puis amuser grand monde. Et c'est eux-mêmes qui obligé choisir qui ça veut faire. Alors on a pourrait que nous te gain deux séries de l'école ta institution du Sacré-Cœur qui portait le présent qui vini, nous gain quatre expresso qui vini, nous gain école communale de Saint-Martin, nous gain Dimanche estimé qui vini, Calbois qui vini, nous gain toute école communale yo tout qui vini. Alors nous gain un groupe ti moun en bas là, ça qui vini qui pour chanter, ça qui vini qui fait théâtre, gain qui joue piano, gain qui joue trompette, gain qui fait gain chorale en Sacré-Cœur là qui vini, gon quantité là dedans qui vini qui performer. Nous gain des enfants de 4 personnes qui viennent qui performent et tout. Alors tout ça c'est pour vous dire que c'est jeune qui a animé grand monde aujourd'hui. So, nous prenons deux extrêmes, jeune et grand monde. C'est fait grand monde, nous apprenons jeune viennent apprécier ça grand monde gain pour yo bay. Madame Ketina de l'autre côté invité acteur dans vie nationale là collaborer avec mairie Port-au-Prince dans accompagnement y'a bay moun 3e âge. Si on monde vini en missionnaire vini ou pas ka juste porter n'importe qui sauve les nous mando pour reler nous pour contacter nous pour nous cadeau qui ça pour porter parce que pas tout manger par exemple ou pas ka cuit manger porter là pour plein l'axel parce que nous connaissons dans la ça nous grand pile monde qui fait hypertension qui hypertendu etc etc nous gen monde qui fait diabète nous gen maladie que nous c'est pas toute bagaille que yo ka manger. Alors depuis que c'est au point de vue de consommation c'est pour contacter Sœur Françoise, contacter monsieur Gaspard qui est intendant ici là et nous gen information ça pour nous baou pour qu'on ka connait exact pour nous ka dire qui jon ka fait qui jon ka potel qui ça nous même tout que n'a pas accepté pour nous recevoir parce que en plus en santé et sécurité nutrition c'est responsabilité pas nous. Bâtiment asile communal là gen deux compartiments quelques dans chambre abrité environ 12 monde gen un service médical qui fonctionnait pendant 24 temps yon cuisinier qui prend formation sur nutrition moun 3e âge ak yon espace divertissement. Direction Sanité l'Ouest DSO célébré lundi 1er octobre la Journée mondiale Habitat sous thème en bajenyo moyen pour construire bon jankay. Elisa Kolo ak Moïse Ulbridge a présenté un reportage. Journée mondiale Habitat est occasion pour Direction Sanité l'Ouest DSO ak réseau haïtien Habitat Salib RHHS rappeler population an, principale mission yo qui c'est sensibiliser tout le monde sous façon yo de vivre pour être en santé, expliquer yo rôle ak devoir yo gagner pour protéger environnement. Coordonnateur RHHS la ingénieur Gwenny Domersan invité dans sens ça tout le monde dans population an, pour te coller mettre ensemble. Li fait qu'on est problème environnement, sécurité dans domaine habitat, santé publique concerné tout secteur dans société. Objectif et rencontre ça, c'est pour nous capables sensibiliser moun yo sur question de santé yo et qui dépendent de gens environnement entretenu. Donc là on a parlé de habitat salubre, ça veut dire que yon habitat dans le sens large du terme, c'est pas non seulement côté que moun a vivre là et pas kay là seulement mais tout environnement. Et sous gade par exemple d'après Jean lié dans panneau réseau ou après habitat c'est tout environnement non seulement kay là mais tout environnement côté gen route pour mener dans kay là côté tout environnement côté gen pied bois tout bay ça. Donc c'est ça qui pral aider moun nan capable vivre dans conditions salubres. Donc là n'a parlé de questions comme ça, nous réaliser que premièrement c'est pas ministère santé à lui même seul qui est capable de garantir santé hein, parce que là n'a parlé de habitat salubre. Nous regardons nous que au niveau réseau nous gagnons différentes entités étatiques, nous gagnons
plusieurs ministères, comme travaux publics, Kankou, nous gagnons, ministère de l'environnement. Coordonnateur réseau haïtien Habitat Salib RHHS souhaite pour gagner une réforme dans la façon construction a fait en dans pays. Dans l'idée ça, les invités et les locaux spécialement magistrats organisent séance formation pour montrer population façon yo doit construire. Nous prenons Rio et qui gagne l'autre rôle partout pour le jouer. C'est tout le monde, l'école, l'éducation, ti moun yo j'ai à faire pour comprendre ti moun nan konnen, si ti moun nan capable contribuer à gens et société à tadouyer pour pas jeter fatra, pour faire gestion fatral correctement et puis pour aider à éducation l'autre moun yo tout parce qu'on ti moun capable éduquer papa li, éduquer maman li sous gens pour capable vivre parce que li ka apprendre ça. C'est dans l'année 1986, Organisation Nations Unies célébrée pour première fois Journée mondiale Habitat. Takou toute langue créole gen règle en nous respecter yo. C'est sous thème ça Académie créole haïtien a célébré mois langue ak kilti créole année ça. Conférence lundi la presse ministère communication an té occasion pour Académie créole haïtien en tête collé ak ministère kilti ak communication et puis bureau secrétaire d'état communication an lancé officiellement lundi 1er octobre là mois langue ak kilti créole là. Dans occasion président conseil administration AKA Poris Jean-Baptiste invité population en tout secteur dans vie nationale là travail pour respect principe ak règle créole là. Suivant extrait dans micro Rachel Sefort ak Emmanuel Aturin. 28 octobre c'est journée internationale langue ak culture créole dans divers pays créolophones dans le monde. Mais pour nous-mêmes en Haïti ce mois octobre-là, nous consacrer pour nous célébrer langue à culture créole-là. En baptême ça, tant que toute langue créole est réglée, on nous respecte. Tant que toute langue créole des langues, des règles, on nous respecte. Académie choisit thème si là, une manière pour lui rappeler toute société y a langue créole là, c'est langue officielle pays qui doit présent dans toute activité nationale dans société y a. C'est une langue qui grand monde tête li. Les gains principaux, les gains réglés, quitte c'est l'en a écrit, quitte c'est l'en a parlé. Qui donc, nous devons respecter eux. Même gens, nous respecter règles et principes, toute l'autre langue, l'en a parlé, l'en a écrit. Travaille pour respecter. Principe et règle créole là, c'est mission toute société haïtienne net. Tout secteur la vie nationale là, zone là, compingoué, c'est pour ça, académie, invité la presse, institution l'État, coup privé, l'école, université, pote collé pour respecter. Langue nationale noire. Académien invité, toute société à net, nous collaborer avec partenaires nous pour organiser activité dans Port-au-Prince, dans la province nous yo. Après un coup de pause, restez branchés, Naptoné. Dans le sport, Margaret Graham prend tête Fédération haïtienne volleyball là pour troisième fois après Assemblée générale élective qui était faite samedi 29 septembre 2018 dans l'hôtel Montana. À l'étranger, Ligue des champions, deuxième journée Ligue des champions a démarré jeudi. Côté Juventus, dans Allianz Stadium, a recevoir Young Boys alors que Bayern Munich a rencontré Ajax Amsterdam. Nous invitons à suivre.
Fédération volleyball haïtien FHVB organisé journée samedi 29 septembre 2018 la 16e assemblée générale dans l'hôtel Montana. Et c'est sans surprise Margaret Graham, président sortant, réélu pour un troisième mandat. Divers représentants de Ligue 1 te répondent présents dans la 16e assemblée générale FHVBA avec représentants différents clubs dans le pays. Tant que Jean s'était prévoit, puisque pas de gain l'autre candidat en face, l'ancien attaquant Tigres l'a reconduit comme président avec un pourcentage 92% vote. Il est vrai qu'il n'y avait pas de candidat en face de moi. Il est vrai aussi que la grande majorité des votes a été pour ma reconduction à la tête de la Fédération haïtienne de volleyball. C'est un sentiment anti-jean mitigé. Je suis content, même pas content. Moins content parce que le grand travail que nous commençons à faire, que nous avons aimé, que nous avons fait. Moi, pas content parce que c'est un gros défi qu'on a devant nous. Moi-même, moi, dis que c'est troisième et dernier mandat à la tête de la fédération. Et le fait que le dernier mandat, moi, je pensais que le défi, pour moi-même personnellement, il y a énorme. Et je pensais que de ma vie de sportive de toujours, c'est probablement les quatre prochaines années seront le gros défi auquel je ferai face du point de vue sportif. Nouveau comité exécutif fédération volleyball haïtien qui est élu pour 4 années. Guy Ladal, Margaret Graham, président, Frédéric François Papouche, premier vice-président, France-Edith Joachim, deuxième vice-président, Hervé Philippe, secrétaire général, Régine Séjourné, secrétaire général adjoint, Madame Leslie Larieux, trésorière, conseiller, Joseph Edgar Dumé, Paola Jean, Wisley Pierre, Betty Saint-Fleur et Alain Nones. Et bien voilà, amis téléspectateurs, je n'allais pas dans Boutli, nous te prenons pile plaisir pour informer. Restez sous terre d'âge pour la programmation. Bon après-midi tout le monde.